Gainsbourg avait en grande partie raison quand il faisait référence à l'art majeur et l'art mineur, quand il disait qu'il n'y a pas besoin d'être initié à la chanson pour écrire des chansons. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Toujours est-il que nous avons eu des exceptions assez extraordinaires. Si je prends par exemple la chanson Ma préférence de notre ami Julien Clerc, eh bien, on sent qu'elle a été composée, donc je vais parler essentiellement de la musique, hein. On sent que la musique a été composée par quelqu'un qui était vraiment initié à la musique dite classique. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que si on s'amuse à la jouer comme ça, et en essayant de l'analyser, sans non plus jouer les philosophes, hein, le but c'est pas de faire une analyse harmonique en profondeur, mais si on regarde comme ça, si on survole vite fait, on s'aperçoit qu'on a un thème. Et que, suite à ce thème, nous avons une variation sur ce même thème. Pour revenir au thème initial. Gainsbourg était travaillé, très travaillé même, par cette histoire d'initiation, d'art majeur, d'art mineur, de thèmes et de variations, puisqu'il a signé, entre autres, les textes pour tout un album de Vanessa Paradis qui s'appelle, ni plus ni moins, Variations sur le même thème. Et quand j'entends cette chanson, donc, moi, ça me donne envie de la jouer sans la chanter, au grand désespoir de ma mère qui voudrait que je chante tout le temps. Ça me donne envie donc de la jouer au piano et de la jouer d'une manière très classique justement, en faisant exprès d'aller dans des chemins où elle ne va pas d'habitude. Et là pour le coup je parle d'harmonie, hein. D'harmonie. Je vais pas y mettre trop de technique. Le but c'est pas de faire une performance, mais d'envisager cette chanson autrement que la manière dont on a l'habitude de l'entendre à la radio. Je vous laisse avec cette petite interprétation de ma préférence de Julien Clerc, qui pour moi est un vrai bijou de la chanson française.